بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنكمل إن شاء الله شرح الأربعين النووية وقد وصلنا إلى الحديث الثاني نعم والثلاثين donc nous étions arrivés au 32e hadith les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi وهو حديث رواه الإمام الدارقطني والبيهقي والحاكم ورواه مالك في الموطأ مرسلا وهو حديث عن سعد بن مالك بن سنان أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار نعم وحديث عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار donc ce hadith comme on a dit c'est un hadith qui a été rapporté par plusieurs imams dans la science du hadith comme l'imam Darqutni, al-Bayhaqi al-Hakim wa l'imam Malik كذلك dans le Muwatta wa qad dhakarahu wa rawahu mursalan donc il l'a cité يعني mursalan mursalan bima'na annahu asqata as-sahabi na'am wa mursalun ma minhu as-sahabi saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat donc al-mursal hadith al-mursal c'est celui dont At-Tabi'i, le successeur du compagnon, le rapporte au prophète alayhi salatu wasalam directement. Donc le compagnon qui a rapporté du prophète, lui par contre, il n'est pas cité dans la chaîne de transmission. Fahad al-Hadith, donc ce hadith, il a été cité par certains imams, Musnadan ilan Nabi alayhi salatu wasalam, c'est-à-dire jusqu'au prophète alayhi salam, une chaîne qui n'a pas été interrompue. وقيل أنه لا يصح هذا الحديث مسندا. Il a été dit par certains savants du hadith que ce hadith n'est pas authentique lorsqu'il est ininterrompu jusqu'au prophète alayhi salatu wasalam. نعم. وعلى كل حال فقال الإمام النووي قال له طرق يقوي بعضها بعضا. Donc il a été rapporté par dans plus يعني بوجوه كثيرة dans plusieurs versions et de plusieurs imams qui l'ont cité. Donc lorsqu'on rassemble toutes ces versions et tous ces hadiths, on peut dire que ce hadith, sa chaîne de transmission, on peut dire qu'il est convenable. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله قال أسنده الدارقطني بوجوه من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه. نعم يقوي الحديث ويحسنه. Ce hadith avec toutes les différentes chaînes de transmission qui ont été rapportées. Malgré que certaines ne sont pas authentiques, hein, tout cela renforce ce hadith et dans le fait qu'il est convenable. ويحسنه وقد تقبله كما قال ابن الصلاح قد تقبله الجماهير من أهل العلم واحتجوا به. Donc la plupart des savants, beaucoup de savants ont accepté ce hadith et l'ont pris comme argument dans beaucoup de règle de la jurisprudence islamique et dans le fiqh en général. ولذلك قال الإمام أبو داود عليه رحمة الله هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الفقه. Il a dit ce hadith fait partie des hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. نعم. Autour duquel et autour desquels la jurisprudence tourne. C'est-à-dire la jurisprudence islamique. نعم. Il y en a في بعض الأحاديث يعني كالقواعد لهذا الدين. Il y a certains hadiths qui font partie comme des règles et des fondements de cette religion, et notamment dans la jurisprudence, dans le licite et l'illicite. Dans la jurisprudence islamique et fait partie de ces hadiths-là, le hadith لا ضرر ولا ضرار. Et ce hadith, il a été pris textuellement pour citer une des règles من القواعد الفقهية, parmi les règles de la jurisprudence. فالعلماء صنفوا تصانيف كثيرة فيما يتعلق بالقواعد الفقهية. Les savants, parmi les juristes,
ont écrit beaucoup de livres concernant les règles, les grandes règles de la jurisprudence, al-qawa'id al-fiqhiyya, et ils citent parmi ces qawa'id, parmi ces grandes règles, cette qa'ida, la darar wa la dirar. Et donc cette qa'ida, elle est prise directement du hadith. La darara wa la dirar. طيب رويا يعني في بعض الروايات لا ضرر ولا إضرار ولكن الصحيح أولها يعني أول الروايات بمعنى لا ضرر ولا ضرار فما الفرق بين الضرر والضرار quelle est la différence entre الضرر والضرار الضرر طبعا c'est le fait de faire du mal نعم le fait de faire du tort le fait de faire du tort والضرار est-ce que ça veut dire la même chose ou pas. Donc certains savants ont dit que ce sont des synonymes, et d'autres ont dit qu'il y avait une certaine différence entre ces deux termes. الضرر والضرار. فقال بعضهم نعم أن الضرر إذا نعم أضر الإنسان أخاه أو غيره نعم وهو يعني الآخر ما ضره من قبل. Ça veut dire quelqu'un qui fait du tort à quelqu'un d'autre sans que cette personne lui ait fait du tort avant lui. Ils ont dit ça s'appelle ad-darar. Wad-dirar huwa an tadurra insan qad darraka min qabl. Ils ont dit ad-dirar par contre c'est le fait de faire du tort et du mal à quelqu'un qui t'a fait du mal avant. N'am. Walakin ala wajhin la yajuz wa ala wa ala wa bighayri haqq yani. Ala wajhin ghayri jaiz, mais c'est-à-dire que tu lui fais du tort alors que tu n'as pas le droit de lui faire du tort. N'am. Li'an al-asl fi ash-shari'a an man يعني أسدى إليك شرا أو فعل بك يعني ضررا يجوز لك أن ترد عليه هذا الضرر بقدر ما أضرك. Quelqu'un qui te fait du mal, la base dans la jurisprudence et dans la religion, c'est que tu as le droit de lui rendre ce mal, نعم, mais sans en dépasser et sans faire plus. قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. Voilà, in sabartum lahu wa khayrun lis-sabirin. Mais bien sûr, le fait de patienter et de pardonner à la personne qui t'a fait du mal, c'est la meilleure des choses. Mais ton droit, na'am, hada yusamma bil qisas, la loi du talion, al-qisas, c'est-à-dire que tu as le droit de prendre ton droit de l'autre personne qui t'a fait du mal. Na'am. Hada huwa al-asl. Walakin idha adrarta bil insan alladhi darrak, yani bi ghayri haqq, tajawazt mathalan al-haqq alladhi lak. Par exemple, tu as fait plus que ce que tu devais faire en lui rendant son mal ou son tort, ou alors tu as fait quelque chose qui était interdit, na'am, et tu as répondu d'une mauvaise façon. Dans ce cas-là, tu rentres dans ce qu'on appelle ad-dirar. Fa ad-dirar ici ya fihi fi'l bayna insanayn wa bayna rajulayn yani aw imra'atayn. Donc ad-dirar dans ce mot, dans ce terme, on voit bien qu'il y a une action entre deux personnes. Na'am. Ad-dirar c'est autre chose. لا ضرر ولا ضرار وقال بعض العلماء أن الضرر هو إدخال الضرر على وجه ينتفع به الإنسان على وجه ينتفع به الإنسان. Ils ont dit الضرر, certains savants ils ont dit c'est le fait de faire du tort à quelqu'un, et quand tu vas te faire du tort à cette personne là toi, ça va te rendre une utilité, ça va être utile pour toi le tort que tu as fait à cette personne. Alors que الضرار c'est de faire du tort à quelqu'un sans pour autant que ce soit utile pour toi. Donc certains savants ont trouvé une différence entre les deux termes. نعم. Entre les deux termes. وعلى كل حال نبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. فالضرر منتف في الشريعة. Donc le tort, le fait de faire du mal, que ce soit dans la législation en tant que telle, ou que ce soit de la personne envers son frère, c'est interdit et ce n'est pas accepté dans la religion. فأولا الله سبحانه وتعالى ما كلف عباده بما يضرهم في دنياهم ولا في دينهم. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala, première chose, il nous a pas demandé dans sa législation, dans sa religion, il nous a pas demandé de faire des choses qui sont néfastes pour nous dans cette vie ou dans l'au-delà ou dans notre religion. نعم. هذا ممنوع. هذا ممنوع في حق الله سبحانه وتعالى. Ça c'est quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut de nous que du bien. Et dans sa législation et dans sa religion, il n'y a que le bien pour ses serviteurs. Sawa an fi dinihim, que ce soit dans leur religion, hada zahir, ça c'est quelque chose d'apparent, mais aussi fi abdanihim, aussi concernant ton propre corps, le corps du serviteur. Naam. Fa Allah subhanahu wa ta'ala
أباح التيمم نعم ورخص في التيمم عند عدم وجود الماء أو يعني استحالة يعني استعمال الماء نعم فالله سبحانه وتعالى il a autorisé donc d'autoriser il a autorisé التيمم donc le fait de faire l'ablution sans eau ou alors sur une pierre ou sur de la terre pure dans deux cas ou alors si la personne ne trouve pas d'eau pour faire les ablutions ou les grandes ablutions ou alors s'il ne peut pas utiliser l'eau hein, quelqu'un qui est malade par exemple qui est malade et qui a peur de s'il utilise cette eau par exemple une eau qui est froide qu'il ne peut pas chauffer qu'il tombe encore plus malade ou qu'il meure à la suite de cela dans ce cas là il a droit de faire at-tayammum. Donc, on voit bien que Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas demandé des choses qui ne sont pas dans notre capacité. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Na'am, illa wus'aha. Wa ma kallafaka Allah azza wa jall, kullama kallafaka Allah azza wa jall fa huwa fi wus'ik. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire et t'a commandé de faire, c'est dans ta capacité. Na'am. Donc, que la personne ne comprenne pas ce verset de la mauvaise façon et qu'ils disent, lorsque on lui dit Allah t'a interdit cela, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala ne demande pas au serviteur quelque chose qui est en dehors de sa capacité. Si Allah t'a demandé, t'a ordonné, afwan, de faire 5 prières dans la journée, c'est que c'est dans ta capacité. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de jeûner le mois du Ramadan, c'est que c'est dans ta capacité. Mais les choses qui vont qui en dehors de cette capacité, yani man kana fihi mashaqqa al-kharija 'anil 'ada, comme disent les ulama, s'il y a quelque chose qui est difficile pour la personne, non pas difficile dans les choses ordinaires, comme le fait de se réveiller pour la prière de l'Fajr, ça c'est difficile certes, pour ceux qui ont peu de foi, c'est difficile de se réveiller pour la prière de l'Fajr, mais pas pour autant qu'Allah Azzawajal ne t'a pas demandé la chose. Mais des choses qui sont difficiles, trop difficiles, qui ne sont pas dans ta capacité, comme par exemple le fait d'utiliser de l'eau froide alors que tu es malade et tu as peur pour ta santé ou tu as peur pour ton âme tout simplement. فهذا من الأمثلة وكذلك الله سبحانه وتعالى رخص للمسافر وللمريض نعم أن يفطر في رمضان وفي نهار رمضان الله سبحانه وتعالى il a autorisé aux voyageurs et aux malades de ne pas jeûner نعم et de manger et de boire pendant la journée du mois du Ramadan نعم il leur a autorisé cela. وهذا رحمة من الله عز وجل c'est une miséricorde de la part d'Allah سبحانه وتعالى حتى لا يعني يهلك الإنسان إذا كان في مرض شديد si la personne est très malade si elle se vient à devoir jeûner elle peut en mourir donc Allah سبحانه وتعالى ne demande pas ce genre de choses et dans sa législation il n'y a pas de darar il n'y a pas de tort il n'y a pas de mal qui est fait à ses serviteurs نعم وكذلك الضرر فيما بين العباد aussi le tort que la personne peut faire à autrui. Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Allah azza wa jalla l'a interdit. Wa fil hadith as-sahih, na'am, anna nabiy alayhi as-salam yarwihi 'an Allah azza wa jalla, na'am, fa yaqul ya ibadi inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu. Dans ce hadith qudsi, ce hadith divin que le prophète alayhi as-salam rapporte d'Allah azza wa jalla qu'il a dit oh, na'am, ya Ibadi, ô mes serviteurs, j'ai certes interdit l'injustice, je me suis interdit l'injustice à moi-même, hein, et je l'ai rendu interdit entre vous, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Fala tadhalamu. Le fait de faire du tort à quelqu'un, ça fait partie de l'injustice et c'est interdit dans la religion. Taïb. Wa sanadhkur insha'Allah ba'd al-amthila fima yata'allaqu bil-fiqh fi hadhihi al-qa'ida وكأمثلة لهذه القاعدة إن شاء الله on va citer quelques exemples concernant la jurisprudence islamique qui vont nous expliquer un peu et qui vont donner des images pour nous rendre plus clair cette قاعدة cette grande règle de la législation فما يتعلق بالوصية premièrement concernant le testament فمعلوم أن الإنسان الذي يوصي قبل موته la personne qui fait un testament avant de mourir فلا يجوز له أن يوصي نعم أن يوصي لوارث. Premièrement, il n'a pas le droit dans son testament de donner une part de son argent, même si c'est quelque chose de peu, à un héritier, à un de ses héritiers.
نعم لماذا؟ لأن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى نعم فرض الفرائض في كتابه. الله سبحانه وتعالى il a révélé sur son prophète dans son livre des versets en donnant à chaque héritier sa part. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. Il a dit, certes Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète il a dit, certes Allah subhanahu wa ta'ala a donné na'am, à chaque personne qui a son droit, son droit. Il lui a donné son droit. Fala wasiyat li warith. Donc il n'y a pas de testament pour un héritier. Na'am. Fa mathalan al-um laha al-thuluth wa fi ba'd al-ahwal laha al-sudus. La mère par exemple, elle va avoir le tiers de l'argent, dans certains cas elle va avoir le sixième, et la femme, elle va avoir le quart. Et dans certains cas, elle va avoir le huitième, etc. En fonction des règles de l'fara et des héritages qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur son prophète. Donc la personne qui, dans son testament, donne de l'argent à un de ses héritiers, فَهُوَ darar wa idrar لِلْوَارِثِ الْآخَرِ. C'est une injustice et un tort qu'il a fait à l'autre héritier. C'est une injustice et un tort qu'il a fait à l'autre héritier. فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ. نعم وَصِيَّةٍ غَيْرَ مُضَارٍ. Un testament où il n'y a pas de tort que tu fais à quelqu'un d'autre. نعم وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه نعم قال عبد الله بن عباس الإضرار في الوصية من الكبائر. Il a dit le fait de faire du mal, du tort dans son testament, c'est-à-dire de donner à un autre, à un héritier ou à un étranger comme on a dit, plus que le tiers de son argent, ça fait partie des grands péchés. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après les versets, ces versets-là, le verset qu'on vient de citer, قال تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله في آخر الآيات. C'est-à-dire que ça fait partie des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah a menacé la personne qui dépasse ses limites dans ce cas-là. فكذلك الإنسان الذي يوصي لأجنبي بأكثر من الثلث بأكثر من ثلث ماله. La personne qui dans son testament va donner ou va léguer une partie plus que le tiers de ce qu'il a, de tout ce qu'il possède, de toutes ses richesses, il lègue plus que le tiers à quelqu'un d'étranger qui ne fait pas partie de ses héritiers. Fada hada la yajuz. Na'am. Hada la yajuz wa la tunfad hadhihi al-wasiyya illa bi ijazati al-waratha. Et ce, donc premièrement c'est interdit. Nabi a sallam qala al-thuluth wa al-thuluthu kathir. Il a dit le tiers c'est déjà beaucoup. Na'am. Et deuxièmement, ce testament n'est pas accepté dans la religion, et il est rejeté. Ce testament est refusé, na'am, et n'est accepté que jusqu'au tiers. Sauf si les héritiers autorisent cela. Na'am, sauf si les héritiers se mettent d'accord tous pour autoriser cela, et à dire que, donc ils se mettent d'accord pour donner plus que le tiers à cette personne qui est étrangère. Mais à la base, c'est une injustice. C'est un tort qui est fait aux héritiers. وَكَذَلِكْ حَتَّى وَلَوْ أَكَانَ الْإِنسَانِ يُوصِي لِأَجْنَبِيِّنْ الثُّلُثِ لَا أَكْثَرْ وَلَكِنْ يقصد بذلك الضرر والمضار على الورثة. Si quelqu'un par exemple dans son testament, il va pas donner plus que le tiers, mais il va donner le tiers à un étranger qui fait pas partie de ses héritiers, mais on a su que il avait par cela l'intention de faire du mal et du tort à ses héritiers. هذا كذلك لا يجوز. Ça c'est interdit. وفيه رواية عن الإمام مالك أنها ترد هذه الوصية. Il y a une riwaya qui a été rapportée de l'imam Malik que ce testament, même celui-là, n'est pas accepté et refusé biqasdihi, à cause de son intention, car son intention c'était de faire du mal, même s'il n'a même pas fait ce mal, mais comme il a eu l'intention de faire du mal à ses étrangers, fayu'amal biqasdihi. Donc on fait en fonction de son intention. Hada ma yata'allaqu bil wasiyya. Kadhalik ma yata'allaqu bir raj'a, raj'ati al mar'a ba'da talaqiha, lorsque la personne reprend sa femme après qu'il l'ait divorcée. نعم فالإنسان الذي يطلق امرأته له أن يراجعها في عدتها عدتها ثلاثة قروء. نعم ثلاثة أطهار. فله أن يراجعها ما دامت في عدتها إذا كانت رجعية طبعا. Donc si la personne divorce sa femme, il a l'autorisation de reprendre, il peut reprendre sa femme comme épouse pendant sa période de idda. La période de idda, c'est trois périodes de pureté. C'est deux périodes, trois périodes de pureté. Pendant ces trois périodes de pureté, il a le droit de reprendre sa femme comme épouse.
ولكن قال العلماء مثل الإمام مالك قال أنه إذا كان الإنسان يراجع امرأته في العدة ثم يطلقها بعد أن راجعها بدون أن يجامعها فإنها لا تستأنف العدة. أفسر. J'explique. Quelqu'un, il reprend sa femme. نعم. Il reprend sa femme pendant la période de عدة. Mais lorsqu'il la reprend, il la divorce juste après. Sans avoir eu de rapport avec elle, il la divorce juste après. نعم. في الأصل, normalement, puisqu'il l'a divorcée une deuxième fois, elle devrait recommencer une autre période de عدة. Mais l'imam Malik, il a dit dans ce cas-là, نعم, il a dit dans ce cas-là, que elle continue dans la première عدة et elle ne recommence pas une deuxième عدة. Pour quelle raison? Parce que cette personne, une personne qui fait cela, qui reprend sa femme, et sans même avoir vu de rapport نعم, avec elle, la redivorce, كَأَنَّ قَصْدَهُ هُوَ الْإِدْرَارِ. Ça veut dire que son intention, généralement, c'est de faire du mal à cette femme. بِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ. En lui prolongeant sa période de عدة. C'est ce qu'ils faisaient avant les Arabes, avant, dans l'époque pré-islamique, avant l'islam. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quelqu'un divorçait sa femme, et lorsque sa période de عدة allait finir, il la reprend. Ensuite, il la divorce. Et lorsque sa période de عدة, elle va finir, il la reprend, et il la divorce, et ainsi de suite. Et chez eux, avant l'islam, il n'y avait pas de limite dans le nombre de talaq, dans le nombre de divorces. Donc, ils pouvaient faire ça autant de fois qu'ils voulaient. Et la femme restait ni mariée ni divorcée. وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. C'est-à-dire, ne reprenez pas pour leur faire du mal. نعم. قال الله عز وجل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Ou alors tu la gardes cette femme pour vivre avec elle, نعم, dans le bien et faire du bien, etc. Et vivre dans un bon couple. أو تسريح بإحسان. Ou alors tu te sépares d'elle, mais d'une façon convenable. Ou ça, de ne pas la garder pour lui faire du tort et pour lui faire du mal. نعم. لذلك نرى حينما ندخل في قواعد الإسلام أن الإسلام حقيقة يدافع عن حق المرأة. يدافع عن حق المرأة. Certes, la religion, l'islam, défend les droits de la femme. Défend les droits de la femme lorsqu'on rentre dans ces règles et dans ces lois. Lorsqu'on compare la période pré-islamique et la période après que l'islam soit venu, نعم, on voit bien que l'islam défend les droits des femmes. حينما يدعي بعض الناس الآن بحقوق النساء وحقوق المرأة وأن الإسلام نعم يعني يجعل المرأة كالأسيرة في أيدي الرجل. هذا كله من الكذب. Donc ça, faut bien comprendre que c'est un mensonge. Ces gens qui propagent ces rumeurs comme quoi que l'islam نعم, rend la femme soumise à l'homme ou des choses de cette sorte, que la femme ne donne pas le droit à l'homme, à la femme. عفوان. هذا كله من الكذب ومن البهتان. Ça fait partie du mensonge. نعم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Celui qui certes celui qui sait quel est le droit de sa créature, c'est le créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui. Il sait et il connaît le droit et ce que mérite la femme, ce que mérite l'homme. Quels sont les droits et les devoirs de l'homme, quels sont les droits et les devoirs de la femme. Personne n'a à nous donner des leçons ou à donner des leçons à l'islam, na'am, et à notre religion en nous disant non, il faut donner le droit à la femme. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné ses droits. C'est pas toi, en tant que créature, tu viens en disant non, on doit lui donner plus de droits. Là, subhanallah. Donc on voit bien, par rapport à cet exemple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala et l'islam, ils ont donné le droit à la femme, na'am, et ils ont interdit aux hommes d'être injustes. D'être injustes. Il y a beaucoup d'exemples dans cela, que ce soit dans le chapitre du divorce, ou dans le chapitre du mariage, ou autre. Na'am. وكذلك الإنسان الذي يعني يترك وطأ امرأته. La personne, par exemple, qui va délaisser d'assouvir le plaisir de sa femme, délaisser d'avoir des rapports avec sa femme sans excuse. هذا لا يجوز. Ça, c'est quelque chose qui est interdit. نعم. وعند مالك يفسخ هذا النكاح. نعم. Chez l'imam Malik et d'autres. Et d'autres savants, le mariage peut être annulé à cause de cela. Si on sait que cet homme a fait du mal, et a voulu par cela faire du mal.
Naam. Si on sait par son intention qu'il a voulu par cela faire du mal, dans ce cas-là, le divorce peut être annulé. Maintenant, c'est après une certaine durée. Les savants ont une divergence sur cette durée. Au bout de combien de temps on annule le mariage ? Naam. فيما يتعلق بالرضاع concernant l'allaitement, le fait d'allaiter, قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا تضار والدة الأم لا تضار بولدها وبسبب ولدها. La mère, elle ne doit pas, on ne doit pas lui faire du tort concernant son enfant. Par rapport à quoi? إذا كان الإنسان طلق امرأته نعم وله منها ولد. La personne qui a divorcé avec sa femme et qui a eu un enfant avec elle. نعم, un enfant qui est de bas âge. إذا كانت الأم نعم تريد إرضاع هذا الولد وهو ولدها نعم وقد رضيت بأجرة يعني بأجرة التي يعني قد رضي بها الآخر يعني الأخر من النساء. Si elle a accepté, donc elle veut allaiter son enfant, نعم, et elle a accepté d'avoir un salaire pour le fait d'allaiter son enfant, le même salaire ou presque que demandent d'autres nourrices, فَهِيَ الْأَوْلَى وَهِيَ الْأَحَقُّ بِالرَّضَى. C'est elle qui, est le plus en, qui a le plus de droits pour allaiter son enfant, parce que c'est son enfant. كَمَا هُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدْ. Comme c'est la parole de l'imam Ahmed. Donc c'est elle qui est dans le droit d'allaiter son enfant plus qu'une autre nourrice, parce que c'est son enfant. Tant qu'elle ne demande pas beaucoup plus qu'un salaire normal. وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ ولا مولود له بولده لا يضار المولود له اي الاب بولده. Aussi le père ne doit pas avoir du tort par rapport à son enfant. Donc si la mère demande plus نعم, qu'un salaire normal pour allaiter son enfant, beaucoup plus que ce que demandent d'autres nourrices, dans ce cas-là, le père n'est pas dans l'obligation نعم, de faire allaiter son enfant auprès de sa propre mère. نعم. Et il peut la faire allaiter chez d'autres nourrices parce qu'elle demande plus. أكثر بكثير مثلا من أجرة المثل. Donc ça, ça fait partie aussi des exemples qu'on peut donner concernant ce hadith et concernant cette règle de لا ضرر ولا ضرار. كذلك في البيوع. Concernant le commerce maintenant. ما يسمى ببيع المضطر. بيع المضطر. ما معنى بيع المضطر؟ هو أن يأتي الإنسان الذي هو محتاج إلى السلعة. Quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin d'une certaine marchandise. Tu le vois qu'il est vraiment dans le besoin pour acheter cette marchandise. Et par exemple, cette, on va dire comme exemple, cette marchandise, elle équivaut à 10 euros normalement dans le marché. Et toi, comme tu sais qu'il est dans le besoin et il n'a pas le choix, tu lui vends en prenant 20 euros par exemple, le double. فهذا قال العلماء لا يجوز. Les savants, ils ont dit ça c'est interdit. وكره ذلك الإمام أحمد وغيره. Même interdit cette chose. Pourquoi? Parce qu'il y a du tort que tu fais à cette personne. فيه ضرر. نعم. Ou alors la personne qui ne connaît pas, qui n'est pas douée dans le commerce, qui ne connaît pas généralement le prix de la marchandise, et tu vas comme si tu vas le tromper. C'est-à-dire tu vas lui vendre cette marchandise d'un prix beaucoup plus élevé alors que lui ne sait pas. Il s'amma bil ghabn. Fa hada la yajuz. Wa inda Malik wal Ahmad anna lahu al fasr hada al insan idha arafa dhalik ba'da dhalik falahu al fasr. Naam, c'est l'avis de l'imam Malik, l'avis de l'imam Ahmad, c'est que cette personne après cela, si elle sait qu'elle a été trompée, naam, elle a le droit d'annuler cette transaction et de reprendre son argent. Naam. Donc tout ça rentre aussi dans le fait de faire du mal aux gens. Donc on voit, tout ça c'est des exemples de la législation islamique qui donne le droit à la personne qui a subi cette injustice ou ce tort. وكذلك مما يدخل في قضية ما يتعلق ب ما يتعلق ب فيما قبل مما كان من العبيد
Avant, à l'époque antérieure, il y avait les esclaves. Naam, il y avait des esclaves. Et la personne pouvait posséder une femme et son enfant. Naam. Fa al-ulama taban bil ittifaq harramu ala al-mar'a, afwan, harramu ala al-sayyid, c'est-à-dire le chef, c'est-à-dire celui qui, afwan, le maître de cette femme et de son enfant. Il lui interdit, si cet enfant est petit, de vendre la femme, par exemple, à une personne, et de vendre l'enfant à une autre personne. De séparer entre la mère et l'enfant. Ça rentrait aussi dans les choses qui sont interdites. وَرُوِيَ فِي حَدِيثَ النَّبِي عَلَيْهِ سَلَّمَ قَالَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَ. Donc il a été rapporté du prophète sallam que celui qui sépare entre une mère et son enfant, Allah subhanahu wa ta'ala séparera entre lui et ses proches le jour de la résurrection. Wa la iyadu billah. Naam. Wa min al-amthila kadhalik ma yata'allaqu bish-shuf'a. Ash-shuf'a, c'est un chapitre qui est connu dans le chapitre du commerce dans la législation islamique. Haqq ash-shuf'a, c'est le fait que quelqu'un est associé avec un autre. Par exemple, ils ont à deux une terre. Donc ils sont les deux, ils possèdent une terre à eux deux, donc c'est des associés sur cette terre. Et un des deux associés, sans la permission de l'autre associé, va vendre sa partie de terrain, donc ils étaient associés sur une partie de terre, il vend sa partie de terrain à quelqu'un d'autre, sans sa permission. فَالشَّرِكْ يعني الَّذِي بَقِيَ يعني, c'est-à-dire l'associé qui n'a pas été prévenu donc, a le droit de racheter donc cette partie de terrain qu'il a vendue à l'autre, à une autre personne, à une tierce personne, donc elle a ce droit de lui racheter, même s'il n'est pas d'accord. C'est son droit de lui racheter, naam, cette partie de terrain que son ancien associé a vendue à quelqu'un d'autre. Pour quelle raison? Parce que une personne qui s'est associée avec quelqu'un sur une terre ou sur un terrain, il s'est associé avec cette personne, mais il ne voudrait peut-être pas être associé avec un autre. Donc si cette personne a vendu sa partie de terrain à une tierce personne, peut-être qu'il ne voudrait pas être son associé, il a le droit de lui reprendre cette partie de terrain, même s'il n'est pas d'accord, mais en contrepartie, bien sûr, de l'argent. Donc tout ça, ça rentre aussi, donc ça c'est dans la législation islamique, et ça rentre aussi dans le fait de repousser le tort. Que la législation, dans la religion, on repousse le tort à quelqu'un qui a subi une injustice, on repousse son tort et on lui donne son haq, on lui donne son droit. وكذلك إذا كان الإنسان له مثلا نخلة مما مثل به العلماء في حائط لرجل, quelqu'un par exemple qui a un arbre fruitier, un palmier ou autre, ou un dattier ou autre, et qui se trouve, cet arbre, donc c'est à lui cet arbre, mais il se trouve au milieu d'une terre qui appartient à quelqu'un. Dame, d'une terre cultivable ou un champ qui appartient à quelqu'un. Donc il est obligé de rentrer dans ce champ, donc il est obligé de rentrer chez quelqu'un d'autre pour atteindre son palmier ou son arbre. فَفِيهِ ضَرَرْ عَلَى هَدَ الْإِنسَانِ. Donc là il y a du tort qui est fait à cette personne parce que tu rentres chez lui. Tu rentres chez lui, il peut être gêné par cette chose et ça peut lui faire du mal. فَالْإِنسَانِ. Donc cette personne qui a cet arbre, on lui dit, donc le juge, normalement le juge musulman, ou à l'époque, comme il a été rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est arrivé dans plusieurs récits, qu'il a dit à cette personne-là qui avait un arbre chez quelqu'un d'autre, il lui a dit de vendre cet arbre à cette personne. Naam, pour éviter de rentrer à chaque fois chez lui. Il n'a pas voulu, il a refusé. Naam. Donc après cela, on lui dit, par exemple, d'enlever cet arbre et de le mettre dans un autre endroit, s'il peut. Ou alors, on lui dit peut-être de le donner. Mais dans tous les cas, s'il ne veut pas, après tout cela, yujbar ala dhalik. Donc la personne est dans son droit, ça veut dire que la personne qui a ce champ, qui a ce territoire, ce terrain, il a le droit d'enlever cet arbre. Et après de lui donner un autre. Mais dans tous les cas, il faut enlever ce tort qui est fait à cette personne. Parce qu'il y a un tort dans cela. Wa kadhalik idha kana al-insan lahu jar, quelqu'un par exemple qui a un voisin. Wa hadha al-insan lahu jidar, مثلا quelqu'un il a un mur.
Donc, sa maison, par exemple, il a un mur. وَأَجَارُهُ يُرِيدُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً. Donc, son voisin, par exemple, il veut poser ou fixer une planche sur son mur. Donc là, il ne faut pas que cette personne lui refuse cette chose. Lui refuse cette chose. Parce que s'il le refuse, même si c'est son propre mur, son voisin va en être, va en subir les conséquences. Et c'est un tort pour lui. وَلِذَلِكَ رُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن أحدكم أن جاره أن يغرز خشبة في جداره لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. Donc tout ça, ça rentre dans le même genre de choses. وكذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلى. Il a été rapporté du prophète sallam qu'il a dit que les gens sont comme des associés dans trois choses. L'eau, le feu, ou al-kala, c'est-à-dire al-ushb, l'herbe, en général. Ils ont dit qu'ils sont associés dans ces trois choses. Wa al-ulama dhakaru fi ikhtilaf kabir, bima ta'allaq bil-ma, wal-nar, wal-kala. Il y a une grande divergence entre les savants concernant ces trois choses. Dans quel cas la personne se doit de donner après qu'il ait profité de cette chose, par exemple, qu'il ait profité de cette eau, est-ce qu'il est dans l'obligation de donner le reste ou pas à quelqu'un d'autre? Que cette eau fasse partie de son eau, ça veut dire que ça fait partie de sa possession, parce qu'elle est dans son territoire, dans son terrain, ou pas. Donc il y a une grande divergence entre les savants. Wa ala kulli hal, mathana al-imam Malik, huwa yaqul anna idha kana al-ma alladhi la yamliku, si c'est de l'eau que lui ne possède pas. En tant que tel, naam, de l'eau que lui ne possède pas, il se doit de donner le reste de l'eau après qu'il ait pris ce dont il a besoin, il se doit de donner à l'autre. Naam, et de ne pas l'empêcher à l'autre de se servir de cette eau. Fadayatrulu fi ddarar, tout ça, ça rentre dans le tort que tu fais à quelqu'un d'autre. Naam. Wa kadhalika ma ta'allaqu bin-nar, aussi concernant le feu. Tu n'interdis pas à une personne, alors que toi, par exemple, tu as une flamme avec toi, tu n'interdis pas de lui de prendre un peu de ton feu. Hein? Tu n'interdis pas cette chose. Yani l'irtibas minan nar hatta yastadfi'u bihi, afin qu'il se réchauffe, ou des choses comme ça. Tu ne l'interdis pas. Hein? Parce que tout ça, ça rentre dans le tort que tu fais à cette personne. كذلك الانسان اذا كان مضطرا, la personne par exemple qui est dans l'obligation de manger. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus rien à manger, sinon il va mourir. Et il trouve devant lui, hein, quelqu'un qui a de la nourriture. Yordi. Donc cette personne, elle lui donne. Elle lui donne de sa nourriture pour pas qu'il meure. Naam. Kullu dhalika yadkhul fi, yani al-insan la yadurru bi akhihi fi al-islam. La darar wa la dirar fi al-islam. Donc dans l'islam, dans la religion, il n'y a pas de darar et il n'y a pas de idrar. Wa qad qala an-nabi alayhi salatu wa salam fi ma روت عائشة رضي الله عنها قال إني أرسلت بالحنيفية السمحة. Dans un hadith, le prophète a dit, j'étais envoyé avec الحنيفية السمحة, c'est-à-dire l'islam. الحنيفية بمعنى المائلة عن الشرك. نعم, c'est la religion, l'islam, qui s'écarte de l'association. إن إبراهيم كان, نعم, إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. حنيفا اي مائلا عن الشرك. نعم, il était écarté, complètement éloigné de shirk. C'est ce que ça veut dire al-hanif. فالحنيفيه, c'est la religion du monothéisme, le fait de s'écarter de toute forme ou toute sorte d'association ou des associateurs. al-hanifiyya as-samha. نعم, as-samha, la religion, نعم, الذي فيه السماح, السماحة. نعم. Donc ما فيه ضرر وليس فيه إضرار. Dans cette religion, il n'y a pas de tort. La personne qui fait du tort à quelqu'un d'autre, elle a certes un péché. نعم. Et l'islam donne le droit à la personne qui a été lésée, comme on a vu dans tous ces exemples qui font partie de la jurisprudence islamique. Et on n'a fait que citer que quelques exemples. Et il y en a certes beaucoup. Il y en a certes beaucoup. Que ce soit, نعم, généralement c'est dans ce qui a rapport avec les relations sociales, يعني المعاملات كالنكاح والطلاق والبيوع وغير ذلك, نعم, من
مما يتعلق بالأموال ou d'autres, tout ce qui a rapport avec l'argent ou pas. Dans tous les cas, si la personne a son droit, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné son droit. N'am. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste envers ses serviteurs. Inna Allah la yadlimu mithqala dharra. Wa inna Allah la yadlimu an-nasa shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Allah azza wa jal n'est pas injuste envers personne, que ce soit dans ce qui est un rapport entre les serviteurs entre eux dans cette vie, ou que ce soit dans l'au-delà, lorsque nous devrons rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yakhafu dhulman wala hadma. Que la personne, le musulman ou autre, même quelqu'un qui est mécréant, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste envers lui, car Allah azza wa jal s'est interdit à lui-même l'injustice. Donc le musulman ne pourra pas se voir le jour de la résurrection s'enlever, se voir enlever des bonnes actions qu'il a commises, qu'il a faites. Impossible. Wala dhulma bi an yuzada alayhi al-ma'asi, ou alors qu'on lui rajoute des mauvaises actions qu'il n'a pas commises. Mustahil. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste envers ses serviteurs. Wa fa kullu dhalika mimma yata'allaq bi hadhihi al-qa'ida al-muhimma. Donc c'est une grande grande règle de la jurisprudence que l'imam al-Nawawi a cité ici dans le hadith la darar wa la dirar. Et nous verrons dans les hadiths qui restent, car nous continuerons inchallah, nous compléterons les 42 hadiths de l'imam al-Nawawi par les 8 ou 9 hadiths qu'a cité à part la suite l'imam ibn Rajab dans son char, dans une explication de l'imam al-Nawawi. Il a rajouté 8 ou 9 hadiths pour en fait, pour achever jusqu'à 50, jusqu'à arriver à 50 hadiths. Et on verra qu'il y aura comme ça d'autres grandes règles de la jurisprudence. Donc là, je ne parle pas de tout ce qui a rapport avec al-raqa'iq, tout ce qui a rapport avec les choses qui font rajouter la foi, etc. Des choses qui parlent de l'au-delà. Là, je parle de des choses qui font partie de la législation islamique et de la jurisprudence. Donc il y a comme ça des hadiths ou des règles qui regroupent, des hadiths qui ont regroupé comme ça, des règles de la jurisprudence, comme le hadith qu'on verra inshallah la semaine prochaine bi'idnillah azza wa jal fi ma yata'allaqu bil qada, concernant le jugement. Anna al yamina kama sanara al yamin 'ala al al mudda'a alayh wa anna al bayna 'ala al mudda'i, comme on verra inshallah bi'idnillah la semaine prochaine. Donc inshallah la semaine prochaine, le soir al qadim inshallah, ça sera le dars ba'da salati al 'asr, ba'da salati al 'asr. Donc on le remet après la prière de l'Asr. Cette période, c'était une période de vacances, donc je pouvais le faire après le Maghrib, ce ne sera pas possible à partir de la semaine prochaine. Donc, نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعفو عنا وأن يسامحنا. اللهم اجعلنا عبادا لك مخلصين طائعين مديبين. اللهم لا تجعلنا من المذنبين ولا تجعلنا من الفجار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم سامحنا ولا تؤاخذنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ولمشايخنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.